Hey, it's me, Mario. C'est parti, Gagapa contre Ryan Hart. Le match du mal. De presse, David Rivers avec bas moyen point SLHK. 3 hit combo d'entrée. Il a rien compris, Ryan. Il est juste pas là. Gagapa qui met 2 LK avec directement le Galachop avec ce cross-up pour en mettre dans le coin. Directement Tic Trop. Et que la Tower qui remet encore une fois dans le coin pour un shop après 2 LK. Il est gratuit. Il est gratuit cet homme. Complètement gratuit. Et ça pif, allez. Balayé. Perfect sur Ryan Hart, faut quand même le vouloir. Je te dis, Ryan, au vu de son dernier match, il n'est pas très en forme. Je sais pas qu'est-ce qui lui déplaît. Très beau Excel Nipress au travers ce Tiger Shot. Nipress encore, avec le Excel Press qui va faire son office. Fonctionnant en entière ici. Non, par contre, il a voulu faire fin gros pied. Il a pris l'ouverture de garde sèche, le Gagapa, qui le met maintenant en retard à l'énergie. Mais le Stan HPK est toujours aussi fou. Attention à ce stand petit pied, vous allez à partir de cette sur un moment d'inattention, il y a directement ça. Et David Rivers en whiff juste pour attirer devant. C'est dommage de prendre cette chope. Bien joué sur la Psycho Crusher avec un téléport pour attirer le pif de son adversaire. Il y a des mouvements à distance pour absorber et garder le Tiger Shot. Encore le Tiger, le Nipress qui passe au travers de ce Tiger Shot. Mais dash avant chop, il en a rien à foutre, Gagapa là. Il est bon, toujours les phases de fake cross-up ce gros point. Il y a cette presse, il repart, il s'enfuit maintenant avec l'avance qu'il a. Et va charger un peu sa barre de super avec quelques David Rivers. C'est très important d'avoir au moins de quoi traverser des Tiger Shots. Et Ryan qui est un peu en manque d'aspersion. Non, faut pas retomber là-dessus. David Rivers encore une fois. Encore une. Mochido. Ah, il a voulu faire je ne sais pas quoi. Il y a un gros point qui est sorti. Encore une fois. Ouh, mais non. Très important ce match-là. Très important. C'est dommage de perdre sur des David Rivers qui encaissent des Tiger Shots comme ça. Ouais, faut pas se laisser impressionner juste par ça. Tiger Knee il est bon, mais avec 2 LK de Manu Impin et Tiger Uppercut. Et il anticipe parfaitement le UX Head Press ici, Ryan. Il est revenu dans la partie, très bon poke. Avec le Tiger Uppercut qui utilise l'invincibilité du Reversal pour faire whiffer le Psycho Crusher cross-up. Ça ne punit pas, mais au moins tu prends pas. Ouais, Stan Groupé en plus finish, 2 LK, 2 LK Knee Press. Il le remet dans le coin, alors c'est ce qu'il fait en setup. Chop encore, il le sort du coin. Mais il y a quelque chose, voilà. Il fait casser le dragon et son verre pour whiffer le dragon. Très bien joué de la part de Gagapa qui trouve l'ouverture de la Stone. Oh Stone Kabada. Kabada. Alors relevé c'est grave. Non. L'autre school arrive à être très loin peut-être avec l'intégralité du dragon passé. Ah, 6-0 de vital. Gagapa qui est en survie à présent, téléport pour éviter ça. Il a fait Tiger en parcade, il croyait l'échec et mat. Mais l'échec et mat n'est pas là. Avec Gagapa qui a une barre de EX, qu'il faut qu'un ex Tiger n'y touche dans la garde et c'est terminé. Ouh, il a pu le prendre dans la garde. Quel dommage, mais quel dommage. Il est passé si près là, Gagapa, si près. Juste craqué vers la fin. Narayan qui est plus solide sur les fins de match peut-être. Mais il l'a dominé. On a vu à quel point il posait des difficultés sur le Kizem à Sagat. Ce n'est rien. C'est juste une histoire de temps. On va remettre le 7-3. Le bas gros point qui a ses dégâts de saving avec son Tiger Shot encaissé. Encore une fois, Stan HK Go Counter Hit, 7 medium kick, 2 hits combo s'il vous plaît. Et avec Snipress qui touche les 2 hits, voilà, maintenant qu'il est dans le coin. C'est risqué ça, c'est très risqué, c'est en tête de saut de. Allez, voilà, Ronnie Press qui rentre derrière les 2 LK avec son medium kick qui touche devant et qui est attiré derrière pour remettre encore ça. Bonne carotte du Tiger Uppercut, par contre prendre la chope ici c'est complètement dommage. David Rivers, il est passé, elle s'enfuit. S'enfuit même pas. Oh, c'est pas la SNLK qui a whiffé. Et la chope encore passée derrière ce dash avant belle. Anticipation de la focus, son adversaire sur vertical groupé, il touche counter hit. Avec encore une belle domination de la part de Gagapa. Domination certes. Significatif mais pour le moment pas suffisante. En tout cas tu ne retrouves pas en difficulté en situation de n'approche pas un stand medium kick et dès que Tiger Shot c'est une Nipress EX. Je sais pas à quoi il pense Ryan, mais il est vraiment dominé à chaque fois qu'il fait un choix. Généralement Gagapa a la réponse, c'est juste sur les déchops où il est un tout petit peu en deçà ici Gagapa sur cette fin de match. Très beau décalage de LK avec encore la chop ici à la relevée bien déchopée. Il essaie de décaler, peut-être absorbé par la saving. Non, René ex Nipress, utiliser une barre de ex pour ça, juste sortir du coin surtout plus que de faire des dégâts. C'est ça qui est important. Voilà, bang. Ça, c'est le Tiger Shot anticipé. Avec évidemment les petits boutons, tout ça. Le côte à côte, tout ce qu'on aime. Il presse encore une fois. La mise au coin est importante avec sa chope. Et le setup ici à la relevée. Son gros point, il presse à gratte. Il a juste repoussé avec le bas du point. Et hop là. La dictature. Je m'assois sur ton crâne d'œuf. Un partout.
Ryan, évidemment, bon, c'est très belle ouverture de garde là-dessus, il a voulu faire gros pied. Vous avez vu la barre que ça perd sur le début du match. C'est vraiment partir avec un très gros handicap. Regardez, de pas être pipé, pas pipé, 6 hors kick. Ridicule, quoi. C'est sûr, on n'est pas dans les mêmes sphères de dégâts. Et pour Dictateur, ça se joue sur la longueur. Et l'avantage est plus important lorsqu'on a l'avantage de l'énergie. Surtout jouer sur l'avantage de l'énergie. Bien joué avec cette presse avec David Rivers qui finit par toucher. Cross-up, pas cross-up, c'est pas cross-up. Et le combo de Normo, il est là. Comme s'il n'y avait pas de cancel dans Street Fighter 4. Ouais, très beau bas petit point avec un petit crochet en entière. Mais il prend Dragon. Dragon Tiger Knee, balle de match pour Ryan Hart à présent. C'est tendu, c'est très 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 tendu là. C'est vraiment chaud, vraiment très chaud. Yagapa qui a juste fait une grosse erreur au début du match. Et Tiger Knee se relève pas instantanément. Préfère reprendre un peu ses esprits au sol. Voilà, bas medium kick, SNHK. Le counter hit, il a tenté de confirmer. Et Tiger Knee qui pose des difficultés, mais là il trouve bien le trade hein, sur l'époque de Sagat. Yes. Pas la bonne distance pour le Sen gros pied. C'est trop évident là-dessus de la dragonner évidemment. Oh, David Rivers, c'est passé, et ça c'est encore devant. Oh, avec ça, c'est du pif. C'est anticipé par Gagapa qui prend le bas moyen point. Nipress, c'est l'avantage dans ce match. Balle de match pour Ryan Hart, hein, je le rappelle quand même. Il est proche, il cherche la distance de Nipress. Mais voilà, il cherche la distance max de Nipress. C'est incroyable la gestion des distances de Gagapa. Et maintenant qu'il est dans le coin, voilà, avec cette presse, tu peux rien faire de toute façon. Il peut juste garder. La double touche, elle est favorable à Gagapa. Il va peut-être repartir de l'avant. Voilà, avec cette Nipress. Tiger uppercut, mais pourquoi les duels K sont bouffés par la chope ici? Vous êtes sérieux? Son gros pied, un touche devant, atterri derrière. Hein. C'est quand même très très sale ce genre de truc là. Non, non, il y a pas de quoi canceller. Mais il est quand même là avec des virus. Oh, cassé par cette moyen point. Les porcs évitent de se prendre. Non, le poke n'est pas bon. Le poke de trop avec cette glissette en garde. Et Ryan, bien que peut-être pas au top niveau, eh bien a su réussir à s'adapter parfaitement. Et Gagapa qui va donc aller en loser bracket. Étonnant, mais c'est quand même là. Mise au télu face à Luffy. Luffy qui en est à son troisième Blanca. Troisième Blanca dans son tableau. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça s'appelle taffer le match-up chez voilà, moi. Voilà, c'est ça. Troisième Blanca, oui, c'est toi. Alors, mise au TU. Eita, mise au TU, à Doko Deska. Mise au TU, à Doko Deska. Mise au TU, mise au TU. Mise au TU, Sam. Mise au TU. C'est tout de suite. Luffy contre Misotelu alors que sur Koff, eh bien, il se passe des choses. Frionel a l'air content, ouais, c'est le tournoi de ma vie. J'y crois à mort, c'est bien. Belle équipe marocaine, le Maroc Fighters, qui a remporté donc le tournoi Team Koff. Alors que le temps tourne. Que l'on est bien. Et Luffy qui va attendre Misotelu. Quel match, quel match.